Salut tout le monde, c'est Zebian One et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure sur Bloxfruit. Et on commence dès maintenant par un random de fruits. Même, j'espère que je vais avoir un meilleur fruit que la dernière fois qui était, je crois, Kilo. Quel fruit je vais avoir? Le Kitsune, s'il vous plaît. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis maudit, je pense. Ça fait deux fois Rocket. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez pour que j'arrête d'avoir des roquettes dans mon inventaire. Quand même, ça fait un peu chier. Même, on peut commencer vraiment l'épisode. On se retrouve sur l'île de Chopper. La voici. La magnifique île de Chopper. Et attention, il y a un bandit déjà. Il y a un bandit, on va... Voilà, on a réussi à le kill. Même... Attends, mince. Il faut que je prenne l'échelle parce que là, c'est un peu compliqué. Et je peux pas encore... Ou si, je peux déjà acheter l'étape qui permet de faire plusieurs sauts. Même, voici les bandits. Est-ce que vous me faites des dégâts? Non. Grâce au pouvoir de Dark, je prends aucun dégât. Même, on va les tuer, les bandits de neige. Et on va essayer de monter un peu les compétences de notre fruit pour débloquer de nouvelles capacités. Même. Oh, il y a un Bouddha, il faut faire attention. Attends, on va... Attendez. Regardez. Non, c'est... Le roi... Non, j'allais dire le roi gorille, le roi Yeti m'a tué. Même. On y retourne. Et la première chose, je pense qu'on va faire, c'est un petit code x2 XP. Je vais en mettre un au hasard. Je regarde sur le site Magic Bus. Est-ce que ça marche? Et ça marche. Même, c'était un code, c'est gratuit, c'est pour vous. Même, on va tenter de les kill. Même si ma mastery, je fais pas beaucoup de dégâts, ça va être très très long. Et vous savez quoi? Vu que je tape, je me dis, ça serait dommage de faire tout ça inutilement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment avoir le haki de l'armement. La première chose, la plus simple, c'est d'aller sur cette île et de vous rendre à cet endroit pour parler à Ridley. Il faut savoir qu'il vous vend trois choses. Le air jump qui nous permet de faire plusieurs sauts d'affilée. Le haki d'observation appelé aura, c'est ça qui nous intéresse. Et tap flash qui nous permet de nous téléporter. Là, on va acheter le haki qui coûte 25 000. Et comme on peut voir, il ne s'est rien passé. Mais quand j'appuie sur la touche J, regardez mes mains. J'ai déjà débloqué... Attends. Je sais pas si c'est étape 1 ou étape 0. Même maintenant qu'on a acheté le haki, on peut monter plus facilement. Regardez. Même, il faut savoir que pour le haki, il faut donner énormément de coups. Je vous conseille d'utiliser un fruit, un Logia, de préférence comme la flamme, la lumière, la dark, la doug, la rumble, la fumée aussi, la fumée qu'on oublie souvent, mais qui est un bon fruit pour farm. Il faut savoir que les fruits comme lumière et ice, qui possèdent une épée, ça ne marche pas pour le haki. Et la seule façon d'augmenter le haki, c'est soit donner des coups d'épée, comme ça, ou alors des coups de poing. Moi j'utilise les coups de poing vu que je farm en même temps. Et je sais que les premières étapes sont assez faisables, mais après il faudra donner des comme du 3000 coups. C'est très très long. Je vais essayer de retrouver le nombre de stations qu'il faut. Pour le... Même là on peut voir que avec le fruit dark ça va extrêmement... Ça va comme extrêmement... Même... Oh, j'ai débloqué un petit level. On va refaire des bandits. J'espère que ça prendra pas beaucoup de temps. Et il y a un petit vendeur ici. Tac. Je vais essayer de trouver le nombre de coups qu'il faut. Tac. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. On a terminé cette quête, on va reprendre une autre, et on est level 95. Et pour les autres, il faut être level 100. On y est bientôt. Et la prochaine île sera Marineford. Tac.
Même là, on fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, je veux voir juste combien on doit faire. Pour combien de coups au total? Parce que peut-être dans cet épisode, on pourra passer à la prochaine étape du haki. Tac. Donc, on va mettre tout en point parce que vraiment là, c'est. Sinon, ça va être très très long. Il faut savoir que je viens de voir pour passer de l'étape. Pour passer de l'étape 0 à 1, il faut donner 300 coups. Ça veut dire un coup, c'est juste ça. Ça compte comme 1. Et il faut faire ça 900 fois. Et après, pour passer de l'étape 3 à 4 et de 4 à 5, il faut donner 3000 coups. Ce qui fait quand même un certain nombre de coups. Et c'est très très long. Moi, sur mon compte principal, j'ai pris plusieurs mois. Mais après, vu que je jouais jamais de style de combat et de coups de poing, ça a été extrêmement long. Avec le 2x XP, ça va quand même extrêmement plus vite. Même là, j'ai pas acheté le 2x Mastery, mais je pense avec 2x Mastery plus 2x XP, ça doit faire. Ouais, ça doit être énorme quand même. Je sais pas si ça pue quand même. Même, on a bientôt niveau 48. On est bientôt une nouvelle compétence de Dark. Même, on va essayer de tuer des mobs. Level 95. Tac, on va mettre tout dans le coup de poing toujours. Et on pourra essayer aussi en mettre dans le dark. Tac, tac. On met un peu plus de dégâts là, on va essayer d'aller un peu plus vite. J'espère que vous allez très très bien. N'oubliez pas de liker si la vidéo elle vous plaît. Parce que moi ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Level 100 bientôt. Non, mince, pas level 100 mais bientôt. Allez, je pense encore deux quêtes et c'est bon. Et je crois peut-être Marineford, ça doit être level 120. Même on le saura direct, on le saura déjà. Même là, je pense, les coups de poing, on améliore encore. On va avoir une super énergie, ça c'est vraiment chouette. Tac. Allez. Tac. Le nombre de coups de poing, là, je martyrise ma souris. Allez. Allez, plus que 4 ennemis et c'est bon. Tac, 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 tac. Même là, il faut. On va te prendre toi aussi. Je sais pas du tout combien coûtent ces épées du vendeur. Je crois que j'ai pas assez d'argent malheureusement. Même là, encore, allez. Est-ce que je gagne un peu de mastery? Non, mince, j'ai pas réussi à tuer avec le dark. Allez. Non, encore un ennemi, mince. Même, ça serait bien que je puisse faire vraiment plus de dégâts parce que là, c'est vraiment pas super rapide. Allez. Tac, tac, tac. Et level 98, 99, 100. Allez, je peux passer à la prochaine étape. Je mets un peu dans le mastery et dans le block suite. Et je mets tout dans le coup de poing. Même, on va voir si j'ai déjà augmenté un peu. Non, j'ai toujours la même étape du haki. Même, on va affronter maintenant les bonhommes de neige. On va affronter des Olaf. Tac, tac, allez. Allez. Tac, tac, tac. Même, maîtrise 50, on va avoir une maîtrise plus. On va avoir la meilleure maîtrise avec les points de base. Même, il faudrait peut-être que dans un prochain épisode, j'achète le nouveau style de combat. Pas le nouveau style, le style de combat qui se. 210 si je ne me trompe pas. Qui coûte dans les 150 coups. Là on va un peu se dépêcher parce que. Il faut pas oublier, on est limité par le 2x XP. Allez, dépêche, on se dépêche. Tac, 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 tac. Même, tac, on met plein de coups de poing. Même ce qui est bien avec le DAP, c'est que ça fait pas de dégâts de recul. Même, j'espère que vous sentez pas trop les clics de souris parce que je. Vraiment là, je suis à fond dessus. Je mets tellement de clics par seconde. Tac. Même, on se dépêche. Tac. Encore des mobs là. Allez. Même là, c'est vraiment une course contre la montre. Pour essayer de terminer le plus rapidement et pour aller à Marineford.
Comme vous voyez, après, je vais juste vous montrer comment voir les top flash. Et je vais vous faire sous forme de tuto encore. Tac. Non, pas les top flash, les top pour avoir plusieurs sons. Et level 103. 104. Attends, wow. Attendez, wow, j'ai gagné un peu trop de niveau là, c'est pas normal. Même, je vais vous montrer. Je vais faire comme si c'était une vidéo, comme un tuto. Salut tout le monde, c'est Zeblan1 et aujourd'hui, nous allons voir comment avoir l'étape de saut pour avoir plusieurs sauts d'affilée. La première chose est de parler à ce PNJ et acheter tout de suite le air jump. Regardez bien, maintenant, je peux faire plusieurs sauts d'affilée. Même, je suis limité à un certain nombre de sauts, mais ça me permet maintenant d'accéder à des endroits où je ne pouvais pas aller. Et regardez le nombre de sauts que j'en ai. J'en ai, je crois, 6 à peu près. 6 ou 7. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était Zeblan1, à la prochaine. Tac. Il nous reste encore 7 bandits à tuer. Tac, tac. Allez, on se dépêche. Même si moi, ce que je voudrais bien, c'est un peu améliorer la mastery du Dark. Allez, on a un coup de poing. Tac. Allez, non. Même, au moins, ce que je sais, c'est que je suis bientôt... Et mince, j'ai pris un mauvais skate. Mince. Attends, je me dépêche. Je fais des conneries. Ouais, il est chaud, man. Allez, on se dépêche. Tac, même il y en a plein, ça c'est bien. Ça, c'est... Il y a plein de bonhommes de neige. Même, ils ont une tête un peu bizarre. Allez, même là c'est juste du bourrinage. Et je pense que à la fin de l'épisode, on aura déjà débloqué une nouvelle partie de notre corps du hack. Même ce qui est le plus parfait, c'est d'avoir tout avant la fin de cette série. Allez, même là on regarde. Le pouvoir du Dark. Non, je mets pas assez de dégâts avec Dark en fait. Même, vous savez quoi, on va mettre 6 points dans le Dark et tout dans l'autre. Même. Et on va essayer de battre le Boss City bientôt parce que moi j'ai. Il nous attend le Boss City depuis avant. Tac. Allez, on attaque. Tout. Allez, même. C'est dommage. Ah, c'est bon. Ouais, on en a 4. Ça, c'est parfait. Même moi je trouve un avance assez vite. Allez, on se dépêche. Je sais que les premières règles du jeu on avance très vite, mais après ça devient de plus en plus compliqué. Tac tac tac. Allez, à plus vite. C'est bon, on est. C'est bon. Et on peut débloquer le Yeti maintenant. Attends, mais j'ai débloqué. Ah, c'est le level 105 le Yeti. Ah, moi je m'attendais à plus, moi je m'attendais à 110 ou. Ouais, ça fait peu quand même. Mais on va. Regardez, on va tout mettre dans le box suite. Prends-toi mes attaques du Dark. Même, je crois. Il va quand même nous défoncer, je pense. Coup d'air. Il a mis du 2 dégâts. Même, le gros problème, c'est que j'avais oublié. Et boss me met des dégâts quand même. On met, tout, on met un petit coup d'air. Oh punaise, oh punaise, mince. Ça j'avais pas prévu, il m'a mis du... Il m'a one shot presque. J'espère que le mec qui est à côté, il pourra m'aider. Et il se trouve où le boss? Il est juste là. On va tenter de mettre des attaques. Tac. Même, ça va être extrêmement compliqué. Je suis obligé d'attaquer à distance. Tac. Même. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait m'aider. Non, il m'a encore tué. Même. Ça, c'est du combat épique. Je pense que vous en trouverez pas autre part sur YouTube. Du combat contre un Yeti. Il n'y a personne qui veut m'aider. Allez, on va activer notre haki. Et on va utiliser notre capacité encore. Mince, non, le Yeti est tombé. Mince. Tu veux pas prendre l'échelle? Attendez, il y a quelqu'un qui m'aide. Oh yes, on a pu monter niveau et on a obtenu
On a obtenu quoi? Une fourrure de Haïti. Et on a passé... Ouais, on est level 12, on a bien monté. Marineford, c'est dans pas si longtemps, je crois. On va accepter. On va prendre une nouvelle quête. Et on est level Mastery 28. Ce qui est pas si mal. Et on a monté plein de niveaux. Même, on va mettre un peu dans le box free catch. Et dans la vie aussi, j'avais oublié la vie. C'est car c'était un peu compliqué le combat. Et attends, mince, il y a T-Rex. Cerbé. Un fan de Cerbé m'a attaqué. Allez. J'espère juste qu'il me volera pas tout l'équipe l'autre. Qui veut être sympa et qui peut être sympa. J'ai pas beaucoup de prime, hein. Je verrai pas pourquoi il voudrait juste m'attaquer. Tac, allez. Mince. Allez, on va activer. Même on n'a pas passé encore la prochaine étape, c'est dommage. On y est bientôt. Allez. Allez, on se dépêche, on a bientôt débloqué toutes les... on est bientôt au prochain niveau. Et on n'a pas encore l'argent. Dommage. On a... Même encore 4 mobs et c'est bon. Même, allez. Ça, ce qui est bien, c'est que juste en formant comme ça, ça entraîne notre acquis de armement. On le débloquera assez vite, je pense. J'espère qu'on l'aura avant le premier monde. Même quand j'y pense, là, on est quand même assez bien parti. Ouais, on est carrément bien parti. Tac. Allez, encore deux levées, encore deux mobs, et c'est bon. Même. Allez, on continue. Encore un mob, encore deux. Il faut juste que j'en trouve le deuxième. Allez, là. Tout de suite là. Tac. Il nous reste plus beaucoup de mobs. Tac, 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 tac. Allez, deux levels et on pourra passer au pro boss. Même, je pense que lui, il attend le boss sûrement. Même, je suis level 15. La prochaine île est bientôt. Et prochaine île, ça veut dire prochain épisode. Même, je regarde s'il n'y a pas le boss Yeti. Le boss Yeti, je sais pas tout et combien de temps il est apparu. Ça, c'est une bonne question. Là, on peut mettre un peu dans la vie et dans le... Oh, attendez, attendez, mince. Je me dépêche, il y a le Yeti. Le Yeti, c'est, ça veut dire plein d'XP. Et il faut pas que l'autre joueur me... Nous revoilà face au boss. Le boss Yeti. Et juste avant, on va un peu augmenter nos stats. Et je pense on va mettre tout dans le box suite. Ouais. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'on ait bientôt levé la nouvelle compétence. Et comme d'habitude, le boss Yeti, on connaît la musique. Même l'épée, là pour l'instant, l'épée, c'est vraiment quelque chose qui nous est pas très utile. Mais bientôt, elle va bien nous être utile. Surtout qu'on aura l'épée de chance. Même, on fait juste attention à que le roi gorille nous. Voilà. Ça, c'est parfait. Tac. J'ai un tout petit peu baissé le son de mon jeu parce que des fois quand je parle et en même temps que je combats, des fois on m'entend presque pas, alors j'ai un tout petit peu baissé. Je fais quand même pas beaucoup de dégâts. Et surtout avec, avec les boss qui prennent pas les dégâts des fruits, que je prends les dégâts des boss même avec mon fruit. Même ça c'est bien, je peux quand même l'attaquer à distance. Il me met une droite, c'est bon, je suis fini. Tac. Mais je fais attention quand même. Tac. Mince, je suis mort, c'est pas grave. Même il faut qu'on soit level 120. Et après, on pourra aller à Marineford. Et je me dépêche. Touc. Même là, on peut voir au loin le Colisée. Ça, c'est dans un peu longtemps.
Je crois qu'il faut être level 300 pour aller au pisé. Et la fontaine là-bas, une fontaine Water 7, c'est la dernière île du monde 1. Pour ma part, c'est ma deuxième île préférée du premier monde. Après Skypea. Skypea qui se trouve. Elle se trouve dans le ciel quelque part. Là, il y a beaucoup de coups à lui donner. L'épée, ça nous permet de faire de petits dégâts. Mais vraiment de petits dégâts. On va essayer de finir avec le box suite. Au moins. Mince. Au moins, on peut gagner un peu d'XP. Est-ce qu'on est. On peut. Là, je vais calculer exprès les dégâts. Non, on est encore mort. Le boss City, c'est pas le boss le plus simple du jeu. C'est un des boss les plus simples du jeu, mais pas mon stat. Allez, on continue. Est-ce que ça va suffire? Non, il manque. Il manque un PV. Allez. Et voilà. Il nous reste encore 3 levels. Mais malheureusement, mon foie de l'XP n'est plus là. Mais on va se tuer des petits mobs de neige. Et après, ça sera bon. Même là, quand même, je commence à pas être trop mal. Même, je commence à tout mettre dans le box suite. Ça va nous être très utile. Tac. Même, on fait comme avant. On bourrine. Tac. Là, je pense que vous entendez les bruits de clic. C'est normal. C'est pour faire un peu vite. Même là, je suis du 74 de dégâts. C'est quand même pas mal, je trouve. Même là, on va attendre qu'ils reviennent. Tac. Même là, je suis en train de voir. Là, je suis en train de tester des nouveaux jeux sur Roblox pour essayer, de nouvelles vidéos. Là, on vient de voir un lumière et je me casse. Je me casse, il veut me tuer. Attendez. Voilà. Il pourra pas me kill. Je pense qu'il y a un bien meilleur niveau que moi. Ou pas. Ou non. Ça doit être sûrement un marine. Il n'y a pas de marine, alors c'est... C'est pas, je pense. Quoi? Mystère. Même là, on est bientôt encore. Même encore 2 niveaux et demi. Et c'est bon. Oui. Tac. Allez. Même, vraiment, je donne des coups avec l'épée, mais je crois que ça sert. Non, ça sert à rien. Même, on va faire un petit rocher ténébreux et ça nous rapproche de plus en plus du level 40. Level 18. Niveau 118. Allez, c'est bientôt. Je sais pas si on s'affronte encore le Yeti pour une dernière fois, on l'a déjà assez affronté. Même ça nous fait toujours de XP, c'est ça qui est bien. Et on va mettre un peu en pont. Tac. Allez, venez. Tac. Même, il faut, je pense, dans un ou deux épisodes, je vais économiser mon argent pour acheter le nouveau style de combat. Mais vous savez quoi? Là, je pense que l'épisode se termine quand j'arrive à Marineford. Ça veut dire bientôt. Et avant ça, j'allais me rendre un petit fruit du démon. Pour changer. Parce que vraiment, depuis le début, on a que random kilo. J'espère que ma malédiction sera levée un jour. Ce kilo, c'est pas trop mon ami. Non, j'ai kilo à chaque fois, mais c'est le fruit fusé. C'est dommage qu'ils ont changé le nom. Moi, je trouvais qu'il était sympa le nom. Tac, allez. Ah, il y a le boss city. Ça, c'est super. Tac. Vous savez quoi, on va faire en même temps le boss city. C'est un portail, si je me trompe pas. Un joueur portail. Tac. En même temps, on a pris pour mettre des coups au mec. Attends, est-ce qu'on peut le combattre? Non, mince, un peu. Même, il se prend quand même nos dégâts. Je sais pas s'il peut nous aider un peu. Même, moi, je continue. Non, il m'a attrapé.
Même, il y a Yeti, je crois, on les voit dans l'arc avec l'île de Chopper. Je crois qu'il y a des gros. Il y a des. Non, c'est des lapins dans l'arc de Chopper. Avec Wackpole. Parce que je crois pas qu'il y a. Ah, si, il y a des. Je réfléchis où il y a des Yeti dans One Piece. Je pensais aux frères dans. Il y a deux frères dans Punk Hazard. Mais c'est pas des Yeti, c'est des humains. Alors, je sais pas d'où il vient ce boss Yeti. Je pense que ça vient des gros lapins. Sauf qu'ils n'avaient pas trop le temps de faire des gros lapins. Ils ont fait ça plutôt. Allez, encore un. Et c'est fini. Level 32. Je pense que prochaine île, on pourra débloquer la nouvelle attaque de Dark. Allez, tac, tac, tac. Même. Attends. Non, je me suis dit peut-être mon. Mon acquis a augmenté, mais Oh, level 120. Putain, il est où le roi gorille? Le roi Yeti. Je suis fatigué. Hein. Même. Est-ce qu'on s'achète les armes? Ils coûtent combien? Genre le triple katana? 60 000? Non, on n'achète pas. Je préfère mieux m'acheter un petit bateau. Sympa. On va voir à quel prix sont les bateaux. On va prendre celui-là. À 1000. La brigue. Comment on fait pour débloquer l'autre bateau? Parce que. Tu peux pas encore acheter. Parce que c'est pas un bateau rapide, si je me trompe pas. Sur mon compte principal, je l'ai. Mais je crois, attends. Non, je crois. Non, c'est pas ça. Boutique. Le deux fois bateau. Je crois que c'est que pour deux bateaux, c'est pas pour les autres. Même. Ah, voilà ce qui est pire. Et Skypea et au-dessus il y a encore l'île même. Là j'espère avoir un bon fruit du démon. Ah, je pense que je vais re-avoir Kilo. Ce fruit me maudit. Même il n'y a pas le roi singe malheureusement. Et je crois qu'il n'y a pas de joueur. Ça c'est. Même. Vous savez quoi, il n'y a pas de joueur? Regardez ce fruit que je vais avoir. Allez, quel fruit je vais avoir? Le fruit fusée? Et c'est le fruit de la fumée! Incroyable! Le fruit de la fumée. Meilleur fruit du jeu. Arrêtez, c'est un Logia, alors c'est pas si mal. Même, je pense que le Kitsune, il sera jamais là. Même. Là, on se dirige vers Marineford. Tac. Je crois que Marineford, c'est quand même assez loin. En attendant, je voulais vous dire, je vais essayer de faire de nouveaux. Là, je suis en train de faire de nouveaux tutos sur Blocksuite et je vais essayer de faire un tout nouveau concept de vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant que j'ai fait ce nouveau concept ou après, mais j'espère que vous allez aimer. Je vous dis rien de plus et j'ai prévu un nouveau concept. Allez, je crois que c'est tout droit. Même, votre beau bateau. Je mets un peu de musique. Et Novice à Marie. Même moi j'adore cette musique, elle est sympa. Ça fait vraiment penser à une aventure. Même là, on a un quart de lune, c'est pas super. Même, je crois que ça sert vraiment à rien à pleine lune dans le premier monde. Même. On est en train de se diriger vers Marineford. On se dirige vers le prochain épisode. Tout doux. Même. C'était Zeblen One. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.